change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger. Je suis ton enfant. Cela a changé ma vie. Je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de te donner, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te À vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu des miséricordes, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte pour ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté sera notre joie et nous pouvons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous a fermé son tout bien
et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 148. Alléluia, vive le Seigneur, Dieu du ciel, acclamez le Seigneur. Acclamez-le, vous qui êtes là-haut. Acclamez-le, tous ses anges. Acclamez-le, tous ses troupes. Acclamez-le, soleil et lune. Acclamez-le, toute étoile scintillante. Et vous aussi, masse d'eau, des plus hautes encore, que tout acclame le Seigneur. Quand il n'a eu qu'un mot à dire et qu'ils ont commencé d'exister, il est mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Depuis la terre, acclamez le Seigneur. Acclamez-le, océan et monts marins. Et vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, soumis à sa parole. Acclamez-le, montagnes et collines, herbes fruitiers et tous les cèdres. Animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles, acclamez le roi de la terre. Et vous aussi, tous les peuples, les princes, les dirigeants de la terre, garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles. Pour tous les membres d'Israël, le peuple qui lui est proche, alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était au commencement, comme l'est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Ésaïe, chapitre 24. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré du pillage car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville, et les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays au milieu des peuples. Comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter. Gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fossée, et celle qui remonte de la fosse se prend au filet, car les excluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre
chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés, captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans ses cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 11, le verset 20 à 30. Alors Jésus se mit à des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de comportement. Il dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida. Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient couverts la tête de cendres et auraient changé de comportement. C'est pourquoi je vous déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaüm, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts? Car ces miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome. Cette ville existait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité comme sévèrement que toi. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir relevé aux petits ce que tu as caché, aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Et ce qui est le Fils, va le relever. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi votre instrument, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. Et le fardeau que je vous propose est léger. Quand nous venons à Dieu comme un Père, nous devons nous souvenir qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, ce qui nous oblige à venir à lui avec vénération, comme au Seigneur souverain de toutes choses. Mais cependant, nous venons aussi vers Dieu avec confiance, comme à celui qui est capable de nous défendre de tout mal et de nous procurer de tout bien. Notre Seigneur Jésus avait fait une déclaration remarquable, et en ces termes, il avait dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Notre Seigneur Jésus invite tous ceux qui sont fatigués et lourdement chargés de venir à lui. En une certaine mesure, nous sommes tous fatigués, nous sommes tous arrivés à avoir cette fatigue en nous. Et que ce soit une fatigue physique, morale, ou bien sûr une fatigue qui vient de notre âme. Nous arrivons à être fatigués, surtout que, en tant que croyants, nous voulons faire beaucoup de choses. Et bien sûr, nous sommes ainsi affligés par des fatigues.
et des lourds fardeaux. Donc le Christ invite chacun de nous à venir vers lui, surtout pour le repos de l'âme. Il est le seul à faire cette invitation. Et plusieurs personnes viennent à Jésus-Christ quand ils ressentent leur culpabilité, leur misère, et croyant que son amour et sa puissance peuvent les aider. Nous recherchons Jésus dans notre prière fervente, dans la lecture de la parole de Dieu. Ainsi, il est de notre devoir et de notre intérêt pour nous tous qui sommes fatigués et chargés de venir à Jésus-Christ. Ceci est l'appel de l'Évangile. Quiconque veut venir, qu'il vienne. Et tous ceux qui viendront ainsi recevront le repos comme le don du Christ et obtiendront la paix et le réconfort dans leur cœur. C'est là que Jésus veut aller, dans le cœur de chaque personne. La douceur et l'humilité du cœur de Jésus sont ses caractéristiques essentielles. Et quand Jésus parle de son cœur, c'est avec ces mots qu'il en parle, douceur et humilité. Jésus est tout le contraire de l'orgueil, de la puissance et de la force qui veulent s'imposer avec la violence. Oui, mes chers amis, c'est avec Jésus que nous pouvons réellement trouver le repos pour nos âmes, avec lui seulement. Pourquoi le pécheur fatigué et accablé chercherait-il le repos ailleurs? Venons à lui chaque jour pour être délivré de la colère, de la culpabilité, du péché, et en effet du mal qui viennent tous nos soucis, nos peurs, nos peines, nos inquiétudes, mais aussi une obéissance forcée et est un lourd fardeau, et c'est en vain que nous approcherons de Jésus avec nos lèvres seulement, si notre cœur est loin de lui. Alors, ce soir, mes chers amis, nous sommes fatigués. Venez à Jésus. Venez à Jésus pour trouver le repos. Le repos surtout pour vos âmes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, le poids que porte notre cœur est parfois bien lourd pour nous. Nous avons du mal à le porter. Nous avons du mal à continuer notre route avec toi. Viens Seigneur, viens nous aider. Viens rendre notre fardeau plus léger et donne-nous un cœur doux et humble comme celui de Jésus, toi qui es le Fils de Dieu. Amen. Thank you.
Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il est pensé sur son humble servante. Désormais, toutes les âges me diront bienheureuse. Les puissances fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'était d'âge en âge chez ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comblait de biens les affamés, renvoie les riches le main vide. Il relève d'Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à son père en faveur d'Abraham, et de sa grâce, race à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Remets les prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et dont ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir de malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur pour l'Église, épouse du Christ, afin qu'elle participe à la sanctification de la multitude des chrétiens et les mène à la gloire de Dieu, et de laisser Jésus semer la bonne semence dans le cœur des non-croyants. Nous prions pour tous ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu, principalement pour notre évêque Stenio, les membres du clergé et les laïcs engagés, afin qu'ils puissent travailler ensemble dans la paix et l'unité. Renouvelle leur vie à ton service par la grâce du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Maître du monde, les nations sont en tes mains.
Nous te prions pour tous ceux qui gouvernent les peuples à travers le monde et qui administrent la justice. Inspire-leur la crainte de ton nom. Bénis en particulier les autorités de notre pays. Donne-leur l'humilité, la force et la sagesse, et permets qu'ils puissent te servir dans l'honnêteté et dans la paix. Ô Dieu, source de vie et de santé, nous te prions pour tous ceux qui sont malades et qui souffrent dans leur corps, âme et esprit. Fais qu'ils trouvent en toi le réconfort et la force. Accorde à ceux qui s'occupent d'eux la patience et le dévouement, afin qu'ils accomplissent leurs tâches avec amour. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Et nous pensons à tous ceux qui sont exclus dans notre société. Fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui sont chers, de ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs et de ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Seigneur, donne-nous encore la foi, l'espérance et l'amour, afin que nous puissions t'aimer d'un amour parfait, malgré nos épreuves et nos difficultés dans ce temps difficile où le découragement nous guette. Dieu de miséricorde, sois attentif à nos prières et pour que tu puisses les exaucer, inspire-nous toujours de te demander ce qui t'est agréable. Écoute et exauce nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Allons dire la grâce ensemble. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu et le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance, qui nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par l'Esprit-Saint, nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous remercie d'avoir prié ensemble, d'avoir pu prier ensemble, et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et merci encore. Thank you.
t'en tirer.